C'est très brièvement, qu'est-ce qui s'est passé tantôt avec Stéphane? Ouais, ben je pense que c'est une erreur commune, quoi. On s'est mal compris, Stéphane et moi. Enfin, plutôt moi et lui. Donc lui est allé à l'extérieur et j'ai cru comprendre dans sa manœuvre qu'il me recoupait, en fait. Donc j'étais à l'intérieur. En fait, il ne m'avait pas vu venir à l'intérieur. Et au moment où j'ai attendu avant de me jeter dans les pneus, je dis, tiens, il n'est pas là, donc il me recoupe vraiment par l'intérieur. Et en fait, au moment où je me jette, je l'ai vu arriver full gaz sur moi. Donc, il a touché l'arrière de ma moto, c'était trop tard. Lui, en fait, il m'a avoué après qu'il ne m'avait pas vu. Donc, je suis vraiment désolé de l'avoir fait tomber et de lui avoir fait mal au cou parce que ce n'était pas mon intention. J'étais aussi un peu fâché sur moi-même parce que je me disais que j'aurais peut-être dû attendre pour le passer, mais ici à Valence c'est vraiment très difficile pour passer, donc j'ai tenté ma chance à ce moment-là. Malheureusement je l'ai mis par terre, mais c'était vraiment pas mon intention, quoi. Et maintenant, comment se passe les contacts avec lui? Ça s'est bien passé par après, parce qu'on a cru comprendre qu'il était, bon, sur le coup il était fâché, quoi. Maintenant comment ça se passe? Ça se passe bien dans le team? Oui, en effet, bon, c'est vrai que j'avais un peu peur de rentrer au camion parce que j'avais vu sa réaction sur la piste un peu à la pichon. Bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai levé ma main, je me suis excusé parce que je ne savais rien faire d'autre pendant la course. Je me serais bien arrêté pour lui dire vraiment pardon, mais je ne pouvais pas. En rentrant, il était plus ou moins fâché. C'est un grand champion, donc je lui ai parlé, il m'a écouté et finalement ça s'est bien passé. Il m'a juste dit que ça ne servait pas à grand chose de le faire sur des courses internationales comme ça. Je lui ai dit que si j'avais vraiment voulu lui faire mal, j'aurais pu très bien me blesser aussi. Donc, je suis vraiment désolé. Ça sera pour une prochaine fois, une autre bagarre. Salut.